Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Alice, retour au pays de la folie. Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Merde, tu m'engueules. Ah, liste d'indices. Un beau début de game, ça, tabarnak. Ben voyons, Rémi. Un tabarnak. Tabarnak. Le tabarnak. C'est tabarnak. Ah.
aussi que je suis handicapé. Hein. Maudit. C'est de la faute à Gwen, ça. Bon. Déjà? J'étais en train de rêver. Ah oui, pour le spectacle, je suppose. Bon.
Tabarnak d'innocent de Carlis. Voyons. T'es chez le Caribou, prends ta chaise, puis regarde-moi. Bienvenue à la tribu du Caribou canadien, mon ami, ça fait super plaisir de t'en faire. Oh yeah! C'est étrange, voire inhabituel, extraordinaire même. Mais rien n'est unique en ce monde, Alice. Votre maison n'est pas la première à avoir été détruite par le feu. Tabarnak, innocent de merde. Étoile des mers! Étoile des mers!
Ça va, Watson? Tu peux parler, Watson? Alice, l'affiche du spectacle en miettes. Si je ne la reconstitue pas, le charpentier me mangera. Watson, parle-moi, tabarnak. Aidez-moi à recoller les morceaux. Le bon ordre des choses m'a souvent été mystérieux. Et à toi ? Gwen, t'es où ? Par à Bernard, qu'est-ce que vous parlez?
Et un tabarnak. On parle d'un homme. Je vais tuer quelqu'un, tabarnak. Petite loser. Alice, l'affiche du spectacle en miettes. Si je ne la reconstitue pas, le char... entier me mangera. Le bon ordre des choses m'a souvent été mystérieux. Et à toi ? Il me faut cette affiche. N'est pas une fille, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit, je suis pas une fille? Aidez-moi à recoller les morceaux. Parnac, commence pas le jeu de même.
spectacle va commencer. N'oubliez pas que ce jeu-là est gratuit dans l'Xbox Game Pass. Oui, il en manque. Faut que j'arrête de faire ça. Ah. Presque deux fois. Arr, j'ai craché. Tiens ces moments et tourments à distance, là où ils seront facilement oubliés. Tabarnak, Rémi. Chaud. Oh oui, Stewie. Plus vite, nous n'avons plus beaucoup de temps. Et celles-là, comment les assembler? Allons plutôt retrouver notre public adoré au théâtre.
Salut Mélissa. Ça demande ce crédit quand. Vous n'êtes pas producteur, mais un tueur, l'instigateur d'une entreprise criminelle. Ce lieu n'a pas d'alternative, Alice. J'ai fait le sale boulot. Oui, vous avez sûreté, mis la main à la pâte. Et alors ? Le public va se régaler. Et vous aurez les miettes. Inquiétez-vous plutôt de ces marins. Il est temps. Le temps ? L'heure ? L'heure d'en savoir long sur les bateaux et de manger les meilleurs accompagnements. Et l'heure de vous connaître. Quelle heure est-il ? Arrête ça, le morse ! Pour tout l'heure du monde, ne commence pas avec tes malheurs ou je te cuis à la vapeur ! Honte à vous, charpentier. Vous aviez promis. Mais je n'ai pas eu le choix. On ne fait pas toujours comme on voudrait. Vous devriez le savoir à votre âge. Et voilà. Ah, c'est né à Gwend, là. Les animaux sont nos meilleurs amis, comme ton lapin. Et Dina était ta confidente, toujours là pour t'écouter.
guerre ou paix. Pitié, Alice. Aidez-moi dans ma tâche. Mon équipage. Ils peuvent sembler rudes, mais leurs âmes sont prisonniers. Libérez-les. Veulent-ils vraiment la paix? La paix des traits qu'ils n'ont plus. Morts, leurs esprits sont aussi tourmentés que vivants. Enfin, tout ça, ça finira jamais. Votre sauveuse, c'est moi. Moi ? Thank you.
Merci de m'avoir délivré. Merci beaucoup. Rien. Parfait, parfait. Très bien. Et voilà. Vous êtes une âme bien ignorante. Je suis la réponse à vos prières. Ah bah, là. Tabarnak, Rémi de Calice! J'espère que je suis pas prêt à recommencer là. Il fallait que je saute direct.
Non, pourquoi ça marchait pas? J'y étais presque. Merci de m'avoir rendu au navire. Dépêchez-vous, Alice. Je me demande s'il va avoir la reine de cœur. J'imagine que ça va être la boss. Bon. Les anges sont si agités. Moi, je vais faire pour me rendre jusqu'à là, cette heure. Thank you.
Et où la cette affaire en face? Ah ouais, c'est beau, tabarnak, c'est ce que je dis. Je vais où, Esti? Black! Oh, il y a un 2 dessus parce qu'il dure juste 2 secondes. Shit. Continuez, non? Je vais abandonner. Oh, tabarnak! Faut que je recommence. Faut que je recommence. C'est ça, c'était pas plané, ça, là. Shit. Ça me rend patient. Je suis déjà mort. Les anges sont si agités.
Non ! Non ! Non ! Je recommence encore, esti de putain. Ça, c'est en grande partie, puis tantôt quand j'ai oublié de prendre ça, esti. Ouais, elle est trop sombre, je suis allé de baisser, monter mon brightness, là, ma luminosité, je suis allé la mettre au maximum. Putain. Oh non! Bon. Les anges sont si agités? Agités, j'arrive pas à me rendre, tabarnak. Et en plus, il y a quelque chose, une bouteille à aller chercher. Cette bouteille-là, il va falloir que je l'abandonne puis je la laisse faire parce que. Elle me donne trop de misère. Oh putain! J'ai pas mis le lapin. Chiena, j'ai trop été vite. Innocent. Maudit tabarnak de charrue, de calice. Qu'est-ce qui se passe?
Genre tombant en bas en plus. Juste faire sûr. C'est calice. Chris. Le tabarnak. Si j'haïs ça des jeux comme ça en plus, hein, quand ça arrive des affaires de même, ça me rend ma patience. Ok, tu me donnes rien, pas de rouge. Tabarnak. Je me suis fait mal, esti. On dit claque, je me suis donné. J'ai mal à la main. Les anges sont si agités. Il me donne envie de chier. Je vois rien, calice, je vois rien, sti dingue de tabarnak. Ah, oh, tu me niaises déjà? Ah, oh, sti putainé. Ça, c'est quelque chose, il faut que je prenne un break, là, puis que je continue demain, je vais... La tête reposée, hein. Parce que tantôt je l'avais puis j'ai fait le con. Hein.
Ça, c'est beaucoup d'énergie, ça. Attends. Les anges sont si agités ? Ils me donnent envie de chier. Ok, arrête, la dépêche. Je veux dire, toi, Carlis. Oh non! Non! Pourquoi j'ai changé le view? Je l'avais, tabarnak! J'avais plus envie de le faire. Merci, Alice. Cherchez le bien comme vous l'avez fait pour nous. Levez l'ancre, moussaillons. Le large et la gloire nous attendent. Toutes les mains moites, Sty. Dis GG au moins, tabarnak. Bravo, ben j'espère. Chris. Vu le temps. Peut-être que tu l'aurais jamais faite. Ah. Faut que je reviens sur mes pas. Je sais pas si c'est là, faut que je vais à l'autre place.
Non, faut pas jouer là-dessus. Pourquoi tu prends la peine de faire ça, Noé? Hein? C'est une batterie qui marche pas ou quoi? Colisse de tabarnak! J'étais à un de l'avoir, Esti. Quiconque détruit une âme, détruit le monde. Réfléchis bien à cela, Alice. Et je réfléchis, mais... Je m'en calisse aussi. Toi, là... Là, peine de rose, de rouge. En tout cas. Ah, des toboggans, j'haïs ça, astu, j'haïs chaud. Je te tiens par en arrière, ça va moins vite. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Pas ça. Ah. Durer longtemps, ça? Continuez, Krish, à arriver. Je sais pas, fais-moi pas le toboggan deux fois, là. Ok, merci.
Tu vivais ou je suis mort? Je suis mort. Si je comprends pas la pattern de ce monstre là. Pourquoi je vais faire elle? Ça va être facile, ça, je le sens. Je peux pas mourir, non, ouais. Mon cerveau ne veut plus. Non, pourquoi tu vas vers lui, maudit tabarnak d'innocent de cette charrue?
Chris. T'es pas sûr. J'ai une sauvegarde, Noé. Il y a un cochon qui a pas... Ah, pour avoir plus de vie. Ah, oh, ben oui, GG, c'est-tu. Un max, c'est de la glace, c'est mon cerveau qui fonctionne pas. Ah si, je viens comprendre. Je comprends pas là. Ah là. Ouais. Oh, c'est... Bon. Je pense que ça va me donner. Si mais je l'ai, ça va me donner de la vie de plus. Ça. Pas de temps à perdre. Ni le temps du temps. Tuer, ouais, tuer. Bon, réussi, fuck you, c'était. Viens, Alice, ne traîne pas. Ton train est déjà parti! Bon, que ça me donne, ça. Ah, ça m'a donné une affaire de plus, bon. GG.
Ok. Toute image raconte une histoire. La fin n'est pas toujours heureuse, mais la comprenons-nous bien. Attends, un cochon, il est où, hostie? Où c'est ce petit cochon là? Pas en tout, moi. Ça m'a déjà arrivé qu'il était sur moi à un moment donné, mais là... Ah, tabarnak, il est là. Tu veux ça, Gwen? Sti, t'es transparent. Ah, la pièce de théâtre, enfin. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au spectacle. C'est mieux d'être bon, ce spectacle-là.
drôle de spectacle. L'entracte est terminé, je pense. Assez de préliminaires. Voici le numéro que vous attendiez. La preuve que je suis innocent et que je suis de très bonne humeur. Lames et trônes sont vains quand le monde entre dans la danse. Travailleurs, juristes, marins, saints ont tous les mêmes chances. La mort imprévue fait partie de la vie. Il faut bien l'accepter. Bien peu ont un bonheur infini. Rien ne sera plus vrai. Les plaies, le feu, les maladies, les meurtres, noyades ou incendies, les chutes du haut des escaliers sont imprévisibles, il faut oublier. Je travaille sans une seule pause, dur toute la journée. Après la danse, je me repose. Le repas peut commencer. C'est l'heure de manger. Nous sommes tous égaux devant la mort. Et nous sommes tous comestibles. En avant, créature, doudou. Tout le monde sera servi. Ça alors? Un festin en plein destin incertain. Je ne suis pas votre ennemi, Alice. J'ai tenté de cacher toutes ces merveilles à ce monstre. Répit de courte durée. Chacun joue son rôle. Êtes-vous pion ou reine? Bouc idiote ou vol allié? Quelle qu'en soit l'issue de cette bonne farce, il est possible que vous soyez le dindon. Alors, pour qui? Oh non! Qui a mis ce maudit train en marche? Et d'où vient-il donc? Il est arrivé en même temps que vous! Il est bien plus guéri que vous pour qu'elle m'agisse! C'est un tueur de rêve! Il n'y a que le monde ici! Il doit savoir comment... Ah, c'est quand ce qu'a... L'hôtel a pris en feu tantôt. Le sang dans ma bouche est amer. Nourrice, où est la brute qui m'a frappée? Le vaurien rôde dehors. Il est en vie, hélas. Que voulait-il? Ce qu'ils veulent tous. L'argent qu'il n'a pas. Pourquoi es-tu allé te forer là-dedans? T'aurais pu être tué. Nourrice, ma tête explose. Des visions terribles me hantent. Je dois savoir. Au sujet du feu? Encore cette histoire. Tu dois oublier, Alice. Et moi aussi. Bon, au moins ne parle-t-elle plus de cet asile. Mon passé est mort, je les ai tués. J'aurais dû les sauver, j'aurais dû mourir. Elle en perdait totalement la tête. Radcliffe pensait que des têtes connues l'aideraient. Un an plus tard, ce sale type s'est désintéressé de son héritage. Il lui posait toutes sortes de questions. Ça n'a fait que l'affoler, la pauvre. Et la démence ne sert d'excuse qu'aux meurtriers. Quand elle ne commettait pas, elle crisait, les yeux révulsés. Elle bavait, poussait des cris stridents. Sans jamais articuler de paroles. Comme l'enfant qu'elle était, elle gardait ses secrets. Pickpocket et rôdeur, aussi nombreux que les cafards. Ces pauvres mômes sont la proie des pervers, comme les fourmis sont les proies des guêpes, et les mouches sont les proies des araignées. Vous avez vu ma chambre à Rutledge. Que faisiez-vous? Tu t'en souviens. Radcliffe m'a payé, quelque temps. Une femme seule doit parfois faire des choses qu'elle n'a pas forcément envie de faire. Mais tu le sais. L'infirmière Whitless a dit que les temps étaient durs. Je ne bois pas comme elle. Je ne fais pas de mal, je me prostitue, c'est tout. Certes, Nourrice. Comme Gwen. Elle a aussi dit que vous aviez peut-être mon lapin. Nourrice, parlez-moi de... De ce maudit feu, ça ne sert à rien. Écoute, je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Radcliffe a écrit le rapport d'enquête, allons le voir. De plus, il a ton stupide lapin, tu devrais le savoir. D'accord, mais Monsieur Radcliffe n'est pas doué. Je le sais bien. Alors c'était tout pour l'aventure du jeu Alice, retour au pays de la folie, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!